Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Ce dossier spécial est le quatrième et dernier volet de la série consacrée au Nouvel Ordre Mondial version 2 et la remise en question des a priori et des idées préconçues. Gardons à l'esprit que le Nouvel Ordre Mondial version 2 est une structure construite par un consortium bipartite d'alliés extraterrestres et terriens, et l'agenda 2030 est la feuille de route et les objectifs à mettre en place qui est transférée aux terriens grâce à certains organismes terrestres souvent secrets de manière directe et détraitée. Les deux organisations les plus connues qui servent de passerelle entre les extraterrestres et les terriens sont les francs-maçons et les Illuminati qui forment leurs adhérents aux exigences extraterrestres grâce à leurs enseignements et après formation, les candidats sélectionnés rigoureusement, comme vous l'avez vu en franc-maçonnerie, sont mis à des postes clés pour faire avancer la société terrienne. Mais me direz-vous, pourquoi le consortium qui gère la Terre et les humanités terrestres et qui est supposé être en tout point beaucoup plus avancé que les terriens, n'intervient-il pas directement lui-même? Ce serait une solution directe et efficace qui s'appuierait sur la création et l'intervention d'un réseau social intra-galactique composé des extraterrestres vivant déjà sur Terre ou en orbite proche de la Terre et qui consentirait à contrôler les ressorts du pouvoir sur Terre. Ce réseau intragalactique aurait des moyens techniques puissants de coercition qu'il pourrait mettre en œuvre de manière professionnelle, surtout par les extraterrestres installés sur Terre qui ressemblent à des terriens et qui pourraient par la même occasion se présenter au public en apportant les preuves de leur existence et de leur identité. Et leur reconnaissance par le public ainsi que leur technologie suffirait amplement à mettre fin à la carrière des dirigeants politiques des nations les plus puissantes et à s'emparer du pouvoir de décision. Les nations plus petites n'opposeraient pas la moindre résistance car les extraterrestres disposent de moyens expéditifs pour juguler toute résistance sans provoquer la mort des opposants. Les extraterrestres, même s'ils ne se montrent pas, sont-ils inactifs? Nous laissent-ils vraiment croupir dans le chaos actuel sans intervenir ou sans agir? Lorsque j'ai posé cette question à toutes les factions d'extraterrestres avec lesquelles j'ai été en contact, frontal et audio, depuis 2016, les Alpha Draconiens, les Draconiens, les Andromédiens, les Humites, les Pléiadiens et d'autres factions composant le consortium bipartite extraterrestre et terrestre, voici ce qu'ils m'ont répondu. Commençons tout d'abord par les Humites du système solaire Wolf 424 dans la constellation de la Vierge. Les Humites ou Humains disent que s'ils avaient le pouvoir direct, ils procéderaient dans un premier temps à la réunification des différentes nations en une seule entité mondiale et planétaire. Pendant le temps que durerait le processus de réorganisation totale et profonde du pouvoir ainsi que de toutes les structures terrestres, une cellule composée d'extraterrestres vivant sur Terre serait régie depuis leur intelligence artificielle planétaire centrale. Si vous souhaitez prendre connaissance de la suite de cette vidéo, ainsi que des 70 vidéos
et les 20 diffusions en direct créées spécifiquement à l'intention des sponsors de Space News et mises à leur disposition exclusive. Ou si vous voulez étendre vos connaissances du monde extraterrestre, encore inconnu sur Terre, devenez sponsor en cliquant sur « Rejoindre » sur la page principale de Space News. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.